Merde, j'ai oublié la coriandre. C'est grave si... Bah pour la chorba, faut la coriandre obligée. Bon, je vais la chercher. Excuse-moi, Bon, en fait, moi, dans la vie, les mecs de droite, je les nique. C'est moche chez toi. Mais tu vois, quand je te dis je les nique, je veux dire, je les nique vraiment. C'est pas métaphorique, quoi. D'accord. Regarde lui, par exemple. Quand je l'ai rencontré, il était le responsable jeunesse de la section UMP du Pas-de-Calais. T'imagines ? Mm-hmm. Et regarde la tête qu'il a maintenant. Il élève des moutons dans le Périgord. On fait l'amour d'abord ou on fait à manger ? Oh, bon... Personnellement, j'ai pas très faim. Pourquoi moi ? Je vois de Jospin. Bah, toi, c'est pas pareil. Toi, tu me plais ? Tu sais, j'aimerais pouvoir te donner autant que tu me donnes. Qu'est-ce que tu fais ? Aïe, pas ici, enfin. Qui pourrait nous voir ? Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je crois pas en Dieu. J'ai jamais mis les pieds dans une synagogue. Je me fous d'Israël et je m'appelle Arthur Martin. Mais c'est génial. Attends, t'es juif ? Je suis arabe ? Non mais attends, c'est trop la classe. À nous deux, on met la France, tu comprends ? En fait, on peut parler de rien avec tes parents. Exactement. Moi, ça m'a pris des années à trouver des sujets qui ne parlent de rien. T'as qu'à dire tous les mots tabous maintenant, comme ça, tu les diras plus après. Chambre à gaz, déportation, juif, juif, nazi, iceberg, Bernard-Henri Lévy. Travailler dans quelle branche ? En fait, je travaille pas trop en ce moment. Mais j'ai fait plein de petits boulots avant. Quoi ? J'ai été aide-soignante. Où ça ? À Villejuif. Sinon, j'ai aussi été monitrice dans des camps. C'est délicieux. Vous faites ça comment ? Bah c'est simple, au four. Alors, tu t'appelles Arthur Martin ? Bah, au moins, on sait d'où ça vient, quoi. Et t'es de droite, évidemment. Mais pas du tout. Je suis jospiniste. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 7% des voix. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? J'ai voté Chirac. Pourquoi est-ce qu'on peut jamais voter pour quelqu'un qu'on aime ? Et le bulletin Sarkozy ? Quoi ? Mais je vais pas me salir les mains. Pourquoi ça sert de mettre des isoloirs si tout le monde sait pourquoi tu votes ? T'as remarqué que pour le bulletin de Ségolène, la typographie est plus petite que pour celle de l'autre ? Fais voir le bulletin Sarkozy. Je l'ai plus.